وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين عصي أذنب مني بيس رسامة مددي قبل يدي مددي كابيهما مددي واكع مرتبة غوث هب على تيرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم على تيرا سیدی و مرشدی استادی حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری ردوی دامت برکاتہم علیہ من فریہ من سیہ ابن زوفا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ Allah Ta'ala ce soir il accorde nous première nuit de mois Rabiul Akhir. Avant de commencer, je vous cite un hadith qui vous montre nous l'importance de la présence dans ma file dans ma djlis. Qui maksad nous vint dans ma djlis? Qui maksad nous vint dans ma djlis? Un wali, un Allah Ta'ala sur banda, un Allah Ta'ala sur dos. Dans Al-Malfou Sharif, dans une question qu'il pose à la Hazrat de Allah Ta'ala, il fait référence à un hadith qu'il trouve dans Majma'u Zawaid, qui lui dit An Abi Bakrata, Qala Samirtu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Yaqul Udu Alim, Udu Alima, Ou Muallima, Ou Mustami'an, Ou Muhibba. Le matin, quand vous levez, l'aide en l'état qui soit un alim, soit un quelqu'un qui pérode la connaissance, ou un étudiant d'ordine ou pérode la connaissance, ou quelqu'un qui persiste dans ce bat un alim, ou bien quelqu'un qui est dans le muhabbat avec un alim. L'aide à l'état qui ou un autre sakat là, soit un alim, soit ou quelqu'un qui peut rechercher la connaissance, ou de quelqu'un qui persiste de sohbat un alim, ou bien quelqu'un qui est dans muhabbat avec un alim. Alhamdulillah, nos présences aujourd'hui, c'est pour manifester, pour montrer nos muhabbat envers un wali, et un wali, c'est un alim. Et ce hadith-là continue de dire « Wala takunil khamsata fatahlik » Pas vin cinquième, parce que si vous êtes cinquième là, vous pouvez aller vers les gommes. Qui était cinquième, c'est qui vous sait comprendre par vous-même. Soit vous sait comprendre ou dire par un alim, ou soit par étudier, ou soit de ressourbattre un alim, ou bien God muhabbat avec un alim. Si un ou entre sa quatre là, ou pour de la guidance, si ou pas parmi sa quatre là, ou pouvez aller vers les gommes. Et Alhamdulillah, nous présente dans Majlis,
c'est pour gagner la connaissance, pour acquérir la connaissance, pour faire éloge ban awliya, pour faire éloge ban ulama. Tout à l'heure, vous pourrez retourner sur ce sujet-là. Dans l'ayat qui m'ont cité, Allah Ta'ala peut dire, dans surah Wattin, il peut dire qu'il crée l'insane, naqad khalaqna l'insane fi ahsani taqwim. Qu'il crée l'insane de plus meilleure forme. Et l'insane, sa création, Allah Ta'ala a créé une donnée, un écho physique, mais en même temps, l'insane, il a une autre qualité qui est une qualité spirituelle qu'on appelle un ruh. Donc, l'insane, c'est une combinaison de l'écho physique et ruh de faire un insane complète. Un insane, quand nous cause au niveau physique, les besoins de dunya pour les survivre, les besoins nourriture, les besoins manger, les besoins boire. Un insane, il a beaucoup demande, beaucoup besoin pour les nourrir sa l'écho physique là, pour les maintenir sa l'écho physique là. Mais en même temps, sa l'écho là, le sujet a beaucoup maladie. Le sujet a beaucoup malade, a beaucoup épidémie, a beaucoup de facteurs qui affectent lui physiquement. Et pour soigner sa l'écho là, physiquement, ben malade physique, Allah Ta'ala il crée médecine, Allah Ta'ala il envoie la médecine et il y a un docteur, un médecin qui est capable d'occuper nous les corps pour soigner nous physiquement. Mais l'insan n'est pas besoin juste de nourrir physiquement ou soigner physiquement, mais ça roule là aussi, il y en a son nourriture, ça roule aussi, il y en a son malade. Besoin de donner son nourriture, besoin de soigner ce bon malade. Et il y a plusieurs malades qui affectent les roues. Mais un des bon malades qui, de nos jours, très courant, qui peut détruire nos sociétés, qui peut détruire l'insan, c'est hasad, la jalousie. C'est un des malades qui amène beaucoup, beaucoup fitna, qui amène du monde jusqu'à vers kouf, vers shirk, la jalousie. Hasad. Comment nous devons faire pour guérir ce malade là? Quel chemin nous devons passer pour nous guérir ce malade là? Nous les corps physiques, nous malades, nous gagnons la fièvre, nous gagnons n'importe qui malade, nous avons un médecin, il faut donner nos médicaments, il faut traiter nous. Alhamdulillah, c'est juste nous les corps qui affectés. C'est juste nous personnellement qui affectés. Mais quand un insan se roule malade, ce n'est pas lui tout seul qui est affecté, mais il a affecté toute la société, tout son entourage. C'est une communauté nette qui est affectée quand un individu se roule malade. Et alhamdulillah, pour nourrir nous les corps physiques, pour soigner nous les corps physiques, sont d'origine, sont racines que trouver Allah Ta'ala, il crée l'arbre, une crée d'arbre, pied. La source de nos nourritures, c'est pied, c'est plantation. Qui nous mangeait, qui nous consommait, qui lui donne faux médecine, sur la source, il trouve dans un pied, un arbre qui produit végétation, qui produit nourriture. Mais la source, nous nourritir pour nos roues, la source guérison pour nos roues, côté était Allah Ta'ala in avoyé de forme de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un côté Allah Ta'ala in trésor comme la source de risque, la source de nourriture pour nous les corps physiques, mais un côté in avoyé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme la source de nourriture, la source de guérison pour sa roue, pour une sans roue. Et aujourd'hui, nous jouons lundi, Allah Ta'ala sur Kamal, Allah Ta'ala sur Hikmat, qui, c'est jour lundi qu'il est très homme, et jour lundi qu'il n'avoue une Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de dunya. Ça, c'est Allah Ta'ala sur Hikmat. Et ça, il y a un autre sujet à part, qui m'a rappelé, ou elle, notre motivation, qui commence à topic là, mais pas pour rentrer en détail, là, mais c'est juste pour montrer nous, Allah Ta'ala, de chaque petite chose qu'il fait, il y a une Hikmat dedans.
dans chaque décision qu'il prend, il y a une hikmat. Il crée la source, insan, sa nourriture physique, de forme zob, jour lundi, et il envoie Huzur alayhi salat wa salam, jour lundi, comme nourriture pour insan, surou, comme bénédiction, comme remède, comme guérison pour insan, surou. Quand nous sommes malades, qu'il est physique, qu'il est spirituel, tous les deux sont dans ce docteur. Nous avons un médecin ou la fièvre, ou un médecin qui peut donner nos médicaments pour la fièvre. Et connaît qui la fièvre, il y a des centaines de raisons qui font un petit monde qui a la fièvre. Et pour chaque raison, il y a un médicament spécifique. Et ce qui le docteur là dit où vous prenez ça même. Ou pas pour dire, non, ou pas connaît, moi je prends d'autres médecins. Parce qu'il y a un tracas, tension ou la santé plus affectée. Mais ça roule là aussi quand il est malade, il y a son médecin qui peut guetter. Et ce médecin-là, il connaît qui médicament il peut de nous pour soigner sa roue là. Ou pas ne calquer n'importe qui médecin ou prendre n'importe qui médicament pour où. Parce que si sa roue là est malade, si sa roue là, sa situation est empirée, connaît qu'il y a une sang, pas vers sa destruction, pas vers sa maladie. Et tous les deux mondiaux docteurs. Et pour venir docteur ou bizarre et dans l'éducation. Pena aucun docteur qui est jahil, qui n'est pas dans l'école, qui n'est pas dans l'université, qui n'est pas dans l'armée. Il apprend, il finit apprendre, il pratique, il fait training, après il commence à soigner. Et pour soigner, ça joue là aussi, il y a ce docteur qui est formé, qu'il gagne ce training afin qu'il est capable de soigner une sans ou pas que n'importe qui s'en là, n'importe qui amateur, ou aller, ou taper sur la porte, il dit où, moi, mon baba, je peux soigner du monde. Pareil, comment vous sélectez un médecin qualifié pour soigner ou les corps, pour soigner aux enfants, comme ça même, ou alors un pire au mulchit qui est qualifié, ou alors un guide. Un wali qui est kamil, qui est qualifié, qui est capable d'être à la hauteur pour soigner ou roux. C'est ça qui nous garde nisbat avec un wali. C'est ça qui nous garde nisbat avec un alim, qui m'a dit au commencement, qui est dans un état, soit un alim, soit ou périssait sa connaissance, ou assis dans le sorbat un alim, ou dans le mohabbat avec un alim. Qui fait ou faire ça parce que afin que ça roule là, il reste vivant. Afin que ça roule là, il gagne sa nourriture. Afin que ça roule là, quand les malades ou connaît qui s'en a sur la porte ou vous êtes tapé pour capable à avoir des raisons pour ça roule là. Laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala il crée l'insan de plus meilleure forme. Mais ça insan là, quand ça roule malade, il y a tombe de plus bas qui bas. Et mon cause un malade qui appelle jalousie. Et jalousie, c'est une des bonnes racines qui amène beaucoup fitna. Dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit la jalousie, l'immense ou amal, ou une bonne action, pareil comme un tifé qui consomme du bois. La jalousie li consomme ou ban hasanat ou ban bon amal ou ban bon action pareil comme a dit fait li consomme du bois. De telle façon la jalousie li détruit insan, la jalousie li détruit du monde. Donc comment nous faire pour nous sauver nous avec cette fitna là? Un monde de fitna c'est la jalousie. Il y a même beaucoup fitna. Il y a même beaucoup de fitna dans la dunya, il y a même beaucoup de problèmes dans la dunya, il y a même beaucoup de problèmes parmi les insans. Quelle solution? Qui nous besoin faire pour nous capables de guérir sa roue là? Connais qui insan nous la vie, sa dunya là, sa l'univers là, de centrer autour de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça l'univers là, ça le monde là, toute créature qui est insane ou cause pour insane en particulier,
nous la vie qui tourne autour de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim, c'est le centre de nous la vie. C'est le centre de nous la vie. Moi, je peux causer que ça dans la journée, moi, je peux juste pousser un exemple. Quand nos enfants rentrent à l'école, nous tournons dans l'école, nous tous, nous faisons mathématiques. Nous tous, nous faisons mathématiques. Si nous prenons juste nous la main avec un crayon, nous dessinons un rond. Nous pas pour réussir dessiner ce rond-là pour vivre. Bien, il y a un défaut, il y a une place pour le décaler. Pour dessiner un rond parfait, de perfect circle de mathématiques qui nous fait, nous prenons un compas, nous mettons, nous tournons, nous gagnons le rond, le cercle parfait, de perfect circle. Ce cercle-là, il représente ça l'univers-là. Sa centre-là, il représente Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sans connexion avec sa centre-là, sa cercle-là ne peut pas être parfait. Et connexion entre sa cercle-là et sa centre-là, c'est sa compas-là, c'est sa compas-là, qui s'appelle qu'appel silsila ben awliya-là. Il est connecté Rasulullah avec sa l'univers-là, avec l'insan, avec toute créature. Voici là entre Nabi Karim qui sort de l'univers et insan et création, c'est ben Aulia, c'est ben Wali Allah. C'est ça même sa compa là ça. Sans sa connexion là, ou pas pour réussir, dessine sa cercle parfait là. C'est ça mon message qui aujourd'hui, God nisbat avec Wali Allah. God muhabbat avec Allah Ta'ala so Wali. Et connaît que Allah Ta'ala sur Wali, n'est pas juste Wali, li Alim. Et pas Alim, il y a un Alim qui est Amil. Il y a Ilm et je fais Amal de cet Ilm. Je vous termine le quelques hadiths, à cause le temps fait défaut, je ne vais pas pouvoir trop longtemps. Qui. Imam Muhammad Naqi Ali Khan radiallahu ta'ala an à la Hazrat son papa grand alim qui l'indique à propos de ce livre qui te cause le fazilat l'éducation, fazilat ilm et le fazilat ban ulama le fazilat ilm, l'éducation et fazilat ban ulama. Lidia al-ilmu babullah. Babullah il akraba wal jahlu a'damu hijaba baynaka wa baynallah. Qui pena aucun chemin qui amène jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala apporte l'éducation, apporte ilm. Et plus grand obstacle entre l'insan avec Allah Ta'ala, c'est jihalat, c'est l'ignorance. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, même la rentrée madrasa, qui nous donne l'importance de l'éducation pour nos enfants. Mais en même temps, qui nous donne l'importance de l'éducation académique, connaît qui nous donne plus beaucoup l'importance de nos enfants sur l'éducation digne, de nos enfants sur formation digne. Parce que c'est ça, ça ilm là qui a la Hazrat qui va faire référence. C'est ça ilm din là qui peut amener où jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'éducation digne qui peut former aux enfants afin qu'ils les rapprochent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre place, il peut dire souris, madame. Qui l'éducation c'est zindagi. L'éducation c'est la vie. Et jihalat, en d'autres mots, veut dire l'amour. Celui qui a ilm, c'est celui qui est vivant. Et celui qui reste loin avec ilm, celui qui vit dans l'ignorance, c'est comme si c'est quelqu'un qui ne finit mort. Et comme on peut cause un
Wali, c'est un wali qui a ilm, un wali à Kosa qui nous dit un wali des vivants, parce que ce ilm, un vivant physiquement, le vivant spirituellement, et d'une autre façon, le vivant par ce ilm. Parce que c'est l'éducation qu'ils ont quitté, l'éducation qu'ils ont quitté comme l'héritage, c'est ça même qui montrait un wali comment il reste vivant parmi dans lesquels ils sont. Donc l'important, c'est que nous besoin d'éduquer nos enfants. Donne nos enfants l'éducation digne afin qu'ils n'y parlent vers l'autre, qu'ils n'y parlent vers un amour certain. L'éducation digne, c'est ça même qui nous dit un ilmé nafi, une éducation qui bénéfique. Si une éducation qui bénéfique, de quelle façon c'est qu'il y a pour des rapports ou avec Allah Ta'ala, des rapports ou avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, des créés mohabbat pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam d'Aulikia et des créés mohabbat pour Aulia d'Aulikia. C'est ça l'éducation qui nous donne nos enfants. C'est un témoignage pour montrer dans quel niveau parfois nous arrivons, qui nous-mêmes nous complexer avec nous dîne, qui un enfant il a 3 ans, 4 ans. Il y a l'école, il apprend qu'il faisait manger avec la main. Mais quand il vient dans la case, ce moment, papa dit qu'il ne pas manger avec la main parce qu'il est délicat. Si ou parents ou vous trouvez que sur net de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est délicat, demain, qui vous expecte aux enfants pour venir? Demain, vous pouvez mettre ses enfants dans une confusion, les mêmes qui ne plus connaît, qui vous besoin suivre. Parce qu'il peut montrer lui qu'il est complexé avec ce din, qu'il est complexé avec ce net de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Demain, quand ces enfants-là, ils trappent, si mes qui pas besoin, quand ces enfants-là, avec l'influence média, avec l'influence technologie, ils peuvent adopter culture kafir, ils peuvent adopter culture alcool, ou pas blâmer ces enfants-là parce qu'ils ou même ou t'y complexé avec ce net de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. En même temps qu'il vous donne aux enfants l'éducation académique, donne-lui plus d'importance sur l'éducation digne, faire ses enfants-là venir un bon musulman, faire ses enfants-là venir un bon mukmin, afin que sa l'éducation-là sauve ce dunya, sauve ce akhirat aussi. Allah Ta'ala donne tawfiq pour faire amal. Wa ma'alayna illa bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.